Maintenant, on a besoin de penser avant, oublier ce match-là parce que ce n'était pas un bon match pour nous, ce n'est pas une belle soirée pour nous. Mais je suis très fier de mon équipe. On semble que le championnat il a gagné aujourd'hui. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé après le match. C'est un peu bizarre, c'est la première fois que je regarde ça, mais avec beaucoup de respect pour cette équipe. Et on a joué 5 fois cette année, on a gagné 4, on a perdu aujourd'hui. On a beaucoup de points d'avance, la possibilité de prochain match, non pas le prochain, non, 2 ou 3 prochains de gagner le titre déjà. On va essayer de continuer à gagner. On a besoin d'oublier ce match-là. Comment tu expliques, Thiago, ce c'est inexplicable. La fatigue, la coupure. Tous, on a souffert beaucoup la première mi-temps et on n'a pas eu pour ça. Parce que la deuxième, même si on n'était pas très bon aussi, mais c'était un peu déjà mieux. Et la première, on a été un peu fatigué, je ne sais pas pourquoi. Et toutes les décisions qu'on a prises, on a pris après un peu de retard. Tous les ballons qu'on a arrivés, on a arrivé après. Le jeu de Lyon, par exemple. Et on a payé pour la première mi-temps qu'on a fait, mais comme j'ai dit, on a besoin de continuer parce que c'est le premier match qu'on perd sur la saison. Si on veut continuer à gagner, on a besoin de préparer bien pour Saint-Étienne.